Alors, il y a un collectif plein d'humour qui fait le buzz sur le net. Il y en a beaucoup, mais celui-là est intéressant. C'est, il lance un appel pour sauver l'accent. Alors, quel accent? L'accent belge, l'accent marseillais, l'accent corse? Non. L'accent pied-noir? L'accent pied-noir non plus. L'accent circonflexe. Circonflexe. Ah oui. Et ouais, celui-là, il est en danger, l'accent circonflexe. Oui, très en danger. Demandez à Julia. Et c'est un collectif de jeunes, et c'était important de le rappeler, qui a lancé cette chanson vraiment tournée avec les moyens du bord, écrite très rapidement. Quatre comparses s'amusent avec les codes du rap. Ce sont des artistes, des musiciens, chanteurs, acteurs. En gros, ils disent, on fait la guerre à la grammaire, venez, ils sont vénères contre le ministère, ils sortent leur Kleenex pour sauver l'accent circonflexe. Ils sont jeunes et ils veulent pas être pris pour des débiles. C'est pour ça qu'ils sont contre cette réforme de l'orthographe. Et le chanteur, c'est Martin Moisillon. Jeune acteur. Ça tient la route, la musique, non? Ça tient la route, c'est écrit, très bien écrit. Il y a du discours, il y a ce qu'il faut, et ça buzz sur Internet, évidemment. C'est très bien. On va soumettre ça à notre compositeur, à nous, Alex Jaffré, qui est en train d'écrire précisément un clip pour les chroniqueurs de Télématin. C'est long, c'est du boulot. Du coup, on virait à 180, c'est ça.